Allez, c'est parti, tirage pour les béliers. J'ai une carte qui est tombée direct. J'ai mon chat, je vous préviens, qui est avec moi. Qui a l'air de démarrer, faire ses griffes sur mon petit carnet. Ah, cette carte-là, je crois que vous l'aviez déjà vu, les béliers. Après, peut-être qu'il faut qu'on vous répète, répète, répète. Hop là, une troisième. Bon, j'étais partie, normalement c'était une carte par jeu. Ah, ne marche pas sur ma carte, s'il te plaît. Merci mon grand. Tu viens de te rouler dessus, mais bien sûr, ça m'aide pas. Ah là là. Tac. Je fais mes tirages dans un petit espace où du coup les chats peuvent monter rapidement. Après, normalement l'espace est sécurisé, mais là j'ai les cartes qui sont sous un corps poilu. Bon. En tout cas, il n'y a pas de troisième qui sort. Par contre, ah, troisième, quatrième, si, en fait, il y en a une qui vient de sortir. Et j'allais dire, pour l'instant, on est tous dans le même jeu, les béliers. Je le sentais quand j'ai pris le jeu, les béliers, je ne sais pas pourquoi. J'ai senti qu'il allait y avoir plusieurs cartes. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'autres jeux. Je teste, je prends tous les jeux, hein, je vois ce qui vient. Hop. Tac. Ok, j'ai l'énergie du chariot. Mais c'est comme on est sur un démarrage début 2017, c'est cohérent. Alors, mon cher ami, je te reprends ma petite carte. Et là aussi. Ah, le pauvre, je lui ai cassé son. Il était tout content. Mais désolé, je t'entends quand même avec l'autre jeu là. Je pense qu'il y en a quand même qui va sortir. J'essaye. Je prends quelques secondes. Si ça sort pas, ça sort pas. Voilà, ça va peut-être. Quand c'est pas sûr, je prends pas moi. Oups, là, j'en ai un trop pété qui est tombé. Ah, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Voilà, c'est qu'il faudra plutôt que je vous donne. J'ai que des énormes paquets entiers qui tombent. Donc c'est non. C'est non, c'est non. Par contre, je vais peut-être pour vous. Les béliers, une carte oracle éventuellement. On va voir ça. Allez, on va déjà ouvrir, retourner les premières qui sont sorties. Ok, les béliers, 5 de bâton, 9 de denier inversé, 7 de bâton et le fou. 5 de bâton, les béliers, c'est la bataille, hein, c'est le combat, c'est la dispute, c'est le désaccord. Il y a quelque chose qui passe pas, qui fonctionne pas, et en fait on est obligé de transformer, de passer, qu'il y ait autre chose quoi. On est obligé qu'il y ait un changement, une remise en question, un affrontement avant, du coup pour en fait que plusieurs puissent donner leurs idées, leurs bases, leur cœur pour pouvoir transformer. Il y a un côté comme ça. Tout quand même bien dans crise et conflit. Je regarde si je vois une petite note en plus. Ouais, lutte. Hein. Après, on a le 9 de denier inversé. Les balances l'ont eu. Alors, les balances l'ont eu quand j'ai fait le tirage hier. Bien qu'un gars inattendu ou un cadeau non mérité ne vous rende pas riche, il peut vous faire croire que tout vous sera acquis sans que vous l'ayez gagné. Profitez du moment, mais ne vous imaginez pas que cela va vous faire vivre. Vous devrez continuer à travailler. Il y a un petit côté, croire que tout est réglé, que c'est bon. Comme si vous aviez eu là un avantage ou un petit quelque chose, une bonne surprise, et en fait, du coup, vous pensez que c'est ok. Comme juste avant, vous êtes un peu dans une phase de. Éventuellement, il y a conflit ou chose. Bah, c'est pas parce que vous avez eu un bâton en plus ou un truc, en fait, que c'est bon, et là, ça peut vous le faire croire. Si on va avoir le 7 de bâton pour juste après. Ah, c'est la défense de ses intérêts là. Bah, ça va dans la continuité, hein, les béliers. Il y a un côté solitude et seul contre tous, mais j'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai l'impression au contraire que vous êtes plutôt dans le côté groupe. Je suis pas sûre, attendez. En tout cas, c'est déséquilibré et il y a un appel à l'ouverture d'esprit en fait, à l'ouverture, à la compréhension, à l'écoute, à la compréhension, quoi. Vraiment ouverture. C'est ça que j'ai, ouverture.
Ça sert à rien d'être juste guerrier à défendre quelque chose. Non, il y a un truc sur ça. J'ai un autre. Attendez. Ça parle aussi d'une démonstration de courage pour s'affirmer. Ça, c'est une interprétation qu'on m'avait donnée sur le 7 de bâton qui vient de me revenir. Démonstration de courage pour s'affirmer, mais pas. Enfin, est-ce que c'est vous, Bélier, qui allez devoir faire ça? Parce que vous êtes embrigadé dans un conflit qui n'est pas forcément grave, mais bon, voilà quoi. Ça fait perdre du temps, de l'énergie à tout le monde. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de ça et que ce serait peut-être bien de le respecter? Toujours est-il que juste après, vous avez le fou. Donc on va vous le prendre en plutôt côté inspiration, le fou, pour sortir un peu de cette situation. Le fou, on est sur l'ouverture, de l'optimisme, un démarrage, un début. Moi, je vois le côté insouciance. Et en même temps, conscience et naïveté. Confiance, pardon. Confiance en la vie, naïveté, y aller, voilà. Moi, c'est un peu votre conseil, là. Y aller par ça, par cette dynamique-là. Retrouver, en fait, ce qui vient de vous, de votre cœur, ce qui est important, ce qui faisait un peu j'ai envie de dire, votre âme d'enfant. Il y a un besoin à retrouver votre âme d'enfant, les béliers, de un peu vous écarter là du chemin et de jouer un peu là, un peu de légèreté, retrouver votre âme d'enfant. On n'est pas obligé tout le temps en fait d'être responsable et carré. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'avait apporté de la joie et de la surprise? Voilà. Bah pour moi, ça invite à ce que tu te reconnectes, toi, à cela. Peut-être prendre contact avec quelqu'un, peut-être se libérer un petit peu, rigoler, dédramatiser. Je te laisse trouver ce qui te parle, les béliers. Ok, maintenant on a les lions. Alors, les lions, les lions, les lions. C'est parti, changement de jeu. Pour les lions. Hop là, non, celle qui sort, ok. Est-ce qu'il y en a une deuxième qui veut venir là pour les lions? Tac, 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 tac. Les lions. Conseil rééquilibrage. Allez là, conseil rééquilibrage. Wouhou! Deux ou trois. Ah, suite alors à trois. Hein. Trois pour les lions. Je m'arrête là ou il en faut une quatrième? Je m'arrête là. Ok. Trois belles cartes là pour les lions. Je suis pas sûre, c'est très bien. Une carte d'oracle d'intuition. On va prendre une carte d'oracle d'intuition pour les lions. Hop. Allez. Hop. Je les prends tous. La 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 la. Les lions, petit conseil, si besoin de rééquilibrer pour bien démarrer l'année avec la transition. Oh, bah, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Non, 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 j'en ai une qui est restée là. Alors, est-ce qu'elle ressort par sortir ou pas? Si elle ressort pas, c'est que c'était pas la bonne. Tac. Ah, voilà, il y en a une. Ok, Lion, joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu en ressens le. Dès que tu ressens de la joie, mets-toi sur cette fréquence et de belles surprises arrivent. Bon, facile à dire, hein, je sais, mais n'empêche que c'est quelque chose qui fonctionne et c'est comme ça. Ok. Alors, ah bah oui, j'ai senti que c'était des belles cartes que vous aviez eues. Le tirage là juste avant. Trois cartes, trois arcanes majeures. Alors là, parmi 78 cartes, hein, quand même. Faut. Ok. Allez, en interprétation, du coup, on a l'étoile, mais en inversé, on a la justice et on a le chariot, les lions. Avec l'étoile, on a le côté renouveau. Après avoir passé, vous savez, un petit peu tous les obstacles là, bah, ça y est, on aperçoit enfin, on envisage une possibilité, un renouveau. Il y a un petit côté, on a trouvé, ça y est, une porte ouverte, une fenêtre, une ouverture, un nouveau chemin, une possibilité, on peut y aller. Je vais regarder quand même dans la partie comme c'est en inversé.
Alors vous le savez, hein, je vous dis à chaque fois. En inversé, moi je reprends toujours mon petit guide. Je préfère. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a une petite nuance que j'ai pas pris. Puis j'adore aussi voir que des fois en inversé, c'est aussi du plus positif. Alors, s'accaparer quelque chose n'est juste que si vous ne privez pas les autres. Laissez-vous inspirer par de grands idéaux et non par des convenances égoïstes ou des voix confuses. Cette période peut être longue et fatigante, mais elle prendra fin si vous vous concentrez sur la lumière au loin. Ceci est une forme d'espoir. Croyant ceux qui vous montrent la lumière. Moi, je trouve, je sens plutôt les lions que vous êtes sur, au contraire là. Vous avez, vous êtes allé, hein, vous êtes sur la fin. En plus, en deuxième carte, vous avez le chariot. On est dans l'action. On y va, go. Ah, je pense vraiment, en plus, voilà, pour l'année, c'est exactement ça. Par contre, ce qu'on va avoir au milieu, là où il va y avoir à cheminer un peu en conseil pour vous, c'est vraiment sur l'autre arcane majeur qu'on a au milieu. On est sur la justice. Alors là. Justice, c'est lié à l'équilibre, au côté franc, juste, simple, net, clair. J'ai envie de dire, vous savez, l'expression c'est clair, net et précis, mais bon, pas obligé d'être dur comme ça. Il y a également, du coup, la justice, toujours forcément un questionnement, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai été juste, est-ce que c'était ok, est-ce que j'ai bien communiqué. En général, c'est ça, la communication, c'est quand même très dur, honnêtement, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas ce que c'est que la vie, comment ça se passe. Hein. Je pense qu'on se prend tous, on se prend tous une claque en jeune adulte. Après, par rapport aux émotions, par rapport aux stratégies, aux choses administratives, à la santé, à l'argent. Enfin, il y a quand même pas mal de choses où on n'est pas bien préparé. Hein. On ne nous apprend pas vraiment à... Enfin, on nous apprend plein d'autres choses, mais en tout cas, pour vivre, je trouve qu'on est, on n'est pas forcément prêt, ni également pour tout ce qui est communication, bien communiquer. Donc les lions, là, je ne sais pas, moi je sens quelque chose comme ça. Je vais voir, pour l'instant, ce que je vous ai dit sur la justice, on était plus en positionnement d'interprétation, là, dans le tirage, ok, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en voit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Je vais essayer de le regarder également avec, regarder, ressentir, hein, avec le côté plutôt inspiratif, on va dire. Projection, conseil, vers où aller, comme un chemin, un cheminement. Donc, je coupe 5 secondes, là, juste pour me recentrer. Lion. En toute. Donc après, t'as questionné sur éventuellement toi, tes actions, si t'as bien communiqué, bien équilibré tout ça. Vraiment se poser la question jusqu'où t'es prêt à aller en fait. Comment tu veux te positionner toi, comment tu te vois pour pouvoir après tenir ça. Essaye d'être juste avec toi-même. Parce que je sais pas si c'est que tu as trop donné. C'est important que ça soit équilibré et c'est important que tu mettes un stop et une limite si à un moment les personnes autour de toi ont un petit peu abusé ou une personne ou si c'est pas forcément une personne qui a abusé, pardon, mais ça peut être toi qui as trop donné, plus donné, voulu donner davantage en te disant que si tu donnais plus, tu recevrais plus. Mais en fait, si tu reçois pas plus, est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut t'attrister et que là, c'est le moment de rééquilibrer. Essaye de savoir par rapport au contexte, à ce qui se passe autour de toi, si c'est juste, si c'est raccord. Comment tu te sens dans ton corps, en fait. Peut-être que. Alors, je ne sais plus si on l'avait déjà dit pour la partie fin 2022, mais peut-être de te reposer la question de tes besoins. Ils ont pu évoluer. De te reposer la question de tes besoins et peut-être de les communiquer. Parce que si ça se trouve, ce n'est pas équilibré, mais. T'as pas communiqué tes besoins, en tout cas ça pas assez, pas avec suffisamment de clarté. Après là, l'étoile nous indique quand même, ouais, c'est un peu le bordel tout ça, et on arrive au bout là, on trouve des choses, hein, donc c'est l'espoir aussi l'étoile, hein, juste avant. Est-ce qu'il n'y a pas un peu que le côté émotionnel a pris le dessus et que du coup, je dis que t'as pas forcément, t'as ou vous, n'avez pas forcément communiqué, Lyon. Comment dire? Peut-être le côté émotionnel qui fait que du coup, ça, pas peur de blesser. Ou, là, j'interprète un peu, mais
On peut avoir des secteurs de vie. Ça y est, le chauffage s'est arrêté. On peut avoir des secteurs de vie où ça va, où il y a pas, enfin, où on communique bien, et d'autres où c'est plus délicat pour soi. En général, c'est quand c'est important pour nous que ça touche l'émotionnel. Donc, je t'invite à te questionner sur ça. En tout cas, si tu te sens dans cette situation, hein. Sinon, si tu te sens pas concerné, ne perds pas de temps, ne te questionne pas et continue d'avancer. Mais quand même, sinon, là, juste avant de démarrer vraiment avec le chariot qui est prêt, hein, pour l'année, se poser cette question de qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est l'équilibre pour soi. Voilà. Voilà pour les lions. Bon, eh ben, je vous souhaite un bon démarrage d'année. À bientôt. Allez, troisième signe de ce tirage, les Capricornes. Capricorne. Troisième jeu de tarot. C'est marrant, hein? Trois signes, trois jeux de tarot différents. J'ai pas eu ça avec les autres signes. Et puis là, c'est vraiment ce que je perçois, ce qui arrive. Allez, on demande des conseils s'il y a quelque chose à aligner là pour ce début 2023. Alors, aligner en fait soit à l'intérieur un questionnement par rapport à soi, ouais, peut-être ça peut être des émotions ou également des chakras. Voilà, j'ai mon petit arbre des chakras qui est là. Mais pour les tirages de jour, autant hier c'était très présent. Est-ce que c'est moi aujourd'hui qui suis moins sensible? Je me pose la question. Alors, deuxième carte. Deuxième carte. Hop. Après, hier, ça m'a. J'ai eu un signe qui a été très long. En fait, on n'était pas dans un petit tirage léger. Donc, du coup, j'ai pas réussi après à tout enchaîner. C'est quand même quelque chose d'important, ça. Ok. Celle-là, est-ce qu'elle veut sortir ou pas? Hop là. Allez, allez, j'en ai trois. C'est assez, mais j'en ai une où j'ai eu. Tac. Si. Ok. Est-ce qu'on en a une dernière pour les Capricornes? Hop, 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 hop. Ouais, j'en ai pas quand il y en a trois qui tombent. Ça, j'ai déjà dit, c'est non. Ok, non, on s'arrête là, Capricorne. Ok, super. Allez. Hop, 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 hop. Ah ben, c'est rigolo, c'est rigolo, on va voir par rapport au sens qui est capté. Également, on a quand même deux inversées, une dans le bon sens, mais les Capricornes, vous avez 3-10. On a le 10 de bâton, le 10 de denier, le 10 de coupe, on n'a pas le 10 d'épée, ce qui me donne envie de voir ce que vous n'avez pas. Et après, j'ai le valet d'épée par contre. Ah ben, la carte juste après. Pas d'échec pour vous. Ok. Je le fais en raccourci avec le mini guide là, juste pour voir s'il y a un sens rapide avec 3-10 comme ça d'affilée. Quelque chose que j'aurais pas vu autrement. On a quoi? Ok, on a activité excessive, dépression nerveuse. Super. Bonjour les Capricornes. On a héritage, tradition, stabilité. On a famille, communauté, bonheur durable. Ok. Bon. Là, c'est pas clair. Allez, je me connecte un peu mieux, moi. Enfin, je me connecte plutôt que de lire juste le guide comme ça. Vous voyez, on est assez vite limité en sens, hein, quand même, quand c'est comme ça. Allez. Alors, les Capricornes. Là, déjà, on a une chute. Un imprévu. Il y a quand même de la collaboration avec. Je me sens obligée d'interpréter les trois ensemble. Hein. Je suis obligée d'interpréter les trois ensemble, parce qu'on a quand même 3 10 là. Les 10, c'est quand même la fin des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juste avant d'aller avec les pages, les valets. En général, il y a un côté du coup fin. On arrive à la fin. Il y a quelque chose de très fort avec la famille là pour vous, les Capricornes. Je sais pas pourquoi je dis ça avec autant de fatigue et de lourdeur. Je creuse. Peut-être que c'est ces rassemblements en famille finalement qui font qu'on perçoit, qu'on voit tous les défauts et l'héritage, tout ce qui s'est passé le passé. Je crois qu'il y a c'est sur ça où il y a un poids. Après, avec vos 10, vous avez aussi le valet d'épée, qui est plutôt une personne jeune, dynamique, qui est là pour aider. Donc vous n'êtes pas seul. Après, je ne sais pas si c'est quelqu'un physiquement ou
ou la présence des fois d'enfants ou de personnes un petit peu à côté qui peuvent aider. Après, on a aussi avec le je dis de bâton là quand même le trop plein, le trop. Trop, ça suffit, ça m'est assez. Trop par rapport à ce qu'on peut supporter, physiquement ou mentalement. J'ai du mal à. Ça peut être émotionnellement aussi. On dirait que vous avez pris une charge qui n'était pas la vôtre, les Capricornes, mais je vois ça un peu comme si c'était. Ça venait d'avant en fait. Soit de vos parents, soit grands-parents d'avant. Ouais, je ressens un petit peu ça. Du coup, j'aurais envie de vous dire de vous recentrer. De vous ancrer, surtout surmonter les émotions négatives, l'agressivité, aller vers du calme, de l'intelligence, éviter l'hostilité, les conflits, parce qu'en fait, vous avez une charge émotionnelle du passé qui est présente, donc vous n'allez pas pouvoir être, on peut pas vraiment être cohérent en fait, dans ces moments, on peut pas être cohérent. Est-ce que j'ai autre chose pour vous, les Capricornes? Moins d'agressivité, plus de réflexion. Bah, ça rejoint, tiens. Faible énergie, fatigue, affection familiale. Pourquoi vous vous traînez? Faut faire la coupure là avec les énergies du passé. Hein? Faut la faire maintenant. Il est là votre conseil. On est sur l'émotionnel pour pouvoir décoller là et vous amuser, profiter de 2023. Les Capricornes, moi, c'est clairement ce que je vous recommande. Qu'est-ce que j'ai en chakra? J'ai envie de. Je pense à la turquoise. Donc on est. Turquoise, c'est 1, 2, 3, 4, 5e chakra, si je me trompe pas. C'est la gorge. Ouais, éventuellement ça. Éventuellement ça. Ok, peut-être demander de l'aide aussi, les Capricornes. Demander de l'aide, tiens. Moi, ça serait, voilà, un conseil. Demander de l'aide. J'ai l'impression que c'est pas une habitude. Peut-être le moment de s'y mettre. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne continuation, un bon démarrage d'année, les Capricornes. Et ciao, à bientôt.